Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la bande. Sur la bande. Sur la bande. Avec Sébastien Gadouri et Zachary Lébeilly. Hey! Salut mon Seb! Yes, ça va bien? Ça va bien toi? Yes, super! Content du premier live. J'ai essayé d'écrire, mais ça fonctionne pas. Pour les gens, s'il y en a déjà qui nous ont rejoints, bonjour à tous. N'hésitez pas, durant tout le long du live, à commenter pour qu'on réponde. C'est à ça que ça sert. Yes, vous voulez qu'on passe en live sur Facebook et ça se fait maintenant. On a une explication par rapport à tout ça, c'est que je commence ma nouvelle job mercredi, puis ça bloquait pas mal de journées qu'on pouvait faire le live. Ouais, ça bloquait l'horaire, fait qu'on ne pourra pas faire de gros... pardon, je ne sais plus parler, bonjour. De gros podcasts avec un invité cette semaine. Mais on s'est décidé que là, on allait faire ça. Ça allait être sur YouTube quand même. Mais c'est un petit podcast à deux et avec vous durant le temps que... Durant le live, pardon. Donc, ouais. C'est quoi tu dis? Ouais, ben c'est ça. Là, on va... Si vous, jamais vous avez des questions, vous voulez parler avec nous, on va vous répondre assez rapidement. Yes, effectivement, parce que là, on est juste deux. On n'a pas une autre personne à s'occuper. Ben, s'occuper, là. S'occuper entre guillemets. Ouais. Donc là, je pense qu'on va attendre qu'on va continuer à discuter un peu. On a 6 personnes à date dans le live. 6 personnes? Ouais. Je veux que les 6 personnes écrivent bonjour, s'il vous plaît. On veut de l'interaction. On veut de l'interaction. 6 personnes? Ouais. Ah, je ne vois pas ton nom, pardon, mais la transaction d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on va en parler, c'est déjà dans ma liste. Yes, on va en parler. On va en parler en temps et lieu. On peut parler un peu de l'application Bouge Radio, si tu me le permets. Yes, vas-y, c'est sûr. Parfait. Que Parfait, l'application Bouge Radio, c'est 26 postes sous la même application. C'est gratuit avec l'App Store ou Play Store, quand même. Puis Taufolie qui part. Ouais, fait que c'est ça, fait que vous connaissez, on le dit tout le temps à la fin de chaque podcast si vous avez été le voir. Donc, pour ça, on a une petite pub qu'on voulait vous mettre en la part. Et voilà. C'était donc, on le répète à chaque fois, Bouge Radio, faite par le père à Sébastien, qui nous a grandement aidé pour l'introduction, tous les sons. Justement, par l'introduction, c'est notre podcast, fait qu'on peut mettre ça, puis on start ses sujets après. Yes. Je l'ai mis tantôt l'intro. Tu veux que je le remette? Ah, OK. OK, pardon, si tu l'as mis. Ouais, je l'ai mis. À moins que tu veux que je mette la mise au jeu, là. Ouais, mise au jeu. Désolé. Parfait, petite mise au jeu cette semaine. Seb, t'as aucune. Ah, attends, non. Avant, c'est vraiment pas grand chose, mais petit spécial Saint-Valentin. Les codes vestimentaires à l'école, ça y va par couleur. Seb, il n'y a pas de gilet rouge. Non. Mais ça veut dire rouge, veut dire en couple. Rose, normalement, veut dire en fréquentation, mais lui, c'est supposé être rouge. Et blanc. Ouais. Veut dire célibataire. Fait que moi, j'ai des célibataires qui ont passé le. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit Forever Alone. Bon. Premier sujet, mon Seb, le Super Bowl. Mon Seb et toutes les personnes, parce que je veux que vous écriviez, je le répète. Le Super Bowl. Toi, ça n'a pas été la prédiction de score, mais la prédiction de l'équipe, tu l'as eu correct. Ouais, j'étais stressé quand c'était 20 à 16 pour les Bengals, mais ça a été un bon toucher. Je trouve que les arbitres ils ont pris les bonnes décisions par rapport que les Bengals faisaient des fautes.
Ouais, à la fin, oui. Mm-hmm. Moi, je comprends pas. Ben, je comprends un peu, mais pendant tout le. Durant la game, ils n'ont pas trop fait ça. Non. Puis c'est juste à la fin qu'ils se sont décidés que c'était le temps ouais. d'en caler. Ouais. Moi, je vais pas mentir. J'ai mis ma. Ben, on a fait une publication. Ma prédiction était écrite. Fait que, sans surprise, j'ai perdu. Mais j'étais quand même déçu. Parce qu'ils ont sorti les Chiefs. Les Chiefs étant mon équipe. Fait que je me dis, tant qu'elles sont faites sortir par eux autres, vaut mieux vouloir qu'ils gagnent. On comprend? Ouais. Joe Burrow, ça a été. Ça va devenir un très bon carrière. Déjà à sa deuxième saison qu'il sera au Super Bowl. Ça va, il va devenir un des grands. Très bon corps arrière. Cooper Kupp qui a eu le. Je sais pas si je dis son nom correctement, pardon. Ouais. Qui a eu le MVP. Ouais, il l'a pas volé. Non. Il l'a pas volé. Il a bien fait sa job. En plus, avec les blessures qu'ils ont eu les Rams, ça a été assez dur avec. Odell Beckham Jr. Ouais, c'est ça. Avec sa coupe de cheveux légendaire. Ouais, au deuxième corps. Ouais, je pense au deuxième. Il avait reçu le ballon direct de sa jambe, je pense. Quand même. Moi, je pense que c'est son pied qui est resté pris pendant qu'il son pied est resté pris. Ok, ça se peut. C'est un claquage genre de. Okay, ouais. Sinon, meilleur spectacle de mi-temps que j'ai vu. Ouais, ouais. Ben, 50 Cent, il était même pas censé être. Surprise de 50 Cent, effectivement. Belle surprise. Au début, je vais t'avouer que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je savais pas si c'était lui ou si c'était juste quelqu'un qui ressemblait. Parce que. Celle que je connaissais moins, c'est Kendrick Lamar, par exemple. Je me demandais juste c'était qui. Moi, Kendrick Lamar puis la fille, m'a pas avoué que. La fille, je connais aucune musique, je pense. Puis Kendrick Lamar, j'en connais juste une. Mais hey, nous autres, là, dans la maison, quand on a entendu le début de la musique à Eminem, là, on avait toute la chair de poule. Il y avait des frissons. J'avais des frissons aussi. J'étais comme. Oh! Ça rappelle tellement de souvenirs la musique qu'il y avait là. Ouais. Une autre chose, j'ai pas compris. Ben, mon père a essayé de me l'expliquer un petit peu tantôt. J'ai pas compris l'affaire du genou au sol. Ouais. Mais, c'était par rapport à. C'était qui donc qui l'avait fait? Colin Kaepernick l'avait fait. C'était pour soutenir les Noirs par rapport au sport, la NFL. Puis c'est quelque chose par rapport à ça, me semble. Pourquoi la NFL a pas voulu d'abord son. Parce que ben, ils veulent pas gâcher leur image. C'est eux autres qui ont des contradictions contre les Noirs, genre, c'est ça que ça veut dire. Ah, mais c'est ça, ils sont juste cons. Mais c'est ça, ben, c'est de leur faute. C'est pour ça qu'ils ils voulaient pas que Eminem le fasse, genre. Okay. C'est pour soutenir les Noirs. Que tant mieux. Ouais, tant mieux. Ça a été un très beau geste, puis il l'a fait pendant, je pense, une minute, le genou à terre. Ouais. À la fin. Non, ben, pas à la fin. Non, j'ai rien à dire de plus. Le spectacle de mi-temps, il était fou. Il était fou. Ça rappelait des souvenirs. J'en ai pas écouté tant que ça de Super Bowl, mais là, je commence vraiment à aimer ça pour de vrai, le football, à comprendre surtout. Ben, comprendre, ça fait un petit peu plus longtemps, là, mais aimer ça pour de vrai. Puis, c'est ça. C'était fire. C'était fou. C'était beau. Je viens de dire. Mais qu'est-ce que j'ai le moins aimé, c'est qu'il était dos aux autres spectateurs. Tu sais, t'avais la scène. Ok, mais genre, 50 Cent, le monde, il voyait juste ses caméras, il voyait pas, genre, sa performance. Effectivement, parce qu'il était genre dans une pièce de maison, genre. Ouais, c'est ça que j'ai trouvé le plus bad pour ceux qui étaient au Super Bowl. Je sais pas eux autres comment ils l'ont vécu. Ouais, c'est vrai, ça doit être. Tu payes assez cher le billet que tu devrais avoir d'autres spectateurs. Sauf qu'en même temps, tu t'attends pas. Ils n'ont pas payé pour voir 50 Cent parce que personne ne savait qu'il était là. Non, ça c'est sûr. Pardon, je viens de recevoir une notification. C'était drôle. OK. Fait que après ça, le toucher rapide des Bengals au troisième quart, c'était vite. J'ai même pas le temps de le voir. J'ai eu le plus d'espoir. Ouais. Mais là, ouais, c'est plate, on voit juste Facebook user. Je pense qu'il faut accepter les gens. Il faut accepter qu'on voit votre nom. Attends, je vais essayer de quoi? Que je pense que c'est nous autres. Ou c'est peut-être nous le problème. Mais en tout cas, salut à la personne qui a écrit ça. On espère que tout le monde va bien. Merci, désormais, vous verrez les photos. Ça devrait marcher. Quelqu'un a essayé d'écrire, comme ça on va voir vos noms. Ça devrait fonctionner.
C'est brouillant un peu parce que c'est le premier. Puis en plus, c'est à l'arrache. On a décidé ça aujourd'hui même qu'on faisait ça. Ouais. C'est la première fois qu'on utilise le StreamYard. Ouais. On voit toujours pas ça. Non? Ok, ben je vais essayer. D'autres choses, mais continue à parler au peu si tu. Pour les personnes, nos noms sont écrits en bas. Vous pouvez discuter avec Zachary, Sébastien. Zachary, c'est moi. Sébastien, c'est lui. Je pense que pour qu'il s'affiche nos noms, il faut enlever le truc en bas, justement. Au troisième quart que j'ai eu vraiment le boost d'espoir, moi, personnellement, parce que les Bengals avaient fait un touchdown très, très tôt. Ouais. Après ça, je ne sais pas si c'était après ou avant, mais il y a un catch de Ja'Marr Chase à une main. Ça, c'était magnifique. Ouais, c'était spectaculaire. Ouais. Après, vers la fin, il y a eu les nombreuses punitions, là, surtout des Bengals, mais il y en a eu une du côté des Rams. Moi, ce que j'ai moins compris de ce Super Bowl-là, c'est les Rams qui font des jeux au sol, tandis que la défensive des Bengals, c'est ça leur force. C'est ça que j'ai moins compris. Moi, c'est leur deuxième touchdown. Ouais. Ils ont essayé de convertir en... Ben, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, là, mais ils ont essayé de faire deux points. Là. Ouais. Ouais, après touchdown, la place de beauté. Ça aurait pu être ça, ce qui manquait. Après ça, on a Félix Auger-Aliassim. Yes. Seb. Ouais, il a obtenu son premier... titre. Son premier titre à TP, je pense. Je pense que c'est ça. Ouais, mais c'est un pas de plus. C'est le meilleur Canadien au tennis. C'est pas le choix. T'as pas d'autres... Ben, tu sais, t'as d'autres grands noms comme Denis Shapovalov, mais Félix Auger-Aliassim, il est pas mal plus haut que eux autres, pas trop. Ouais, c'est ça que j'avais à dire. Ouais, moi, je connais pas tant puis ça. Puis je pense qu'il est en train de mettre le Canada dans les meilleures raquettes, mettons, que j'ai vu. Là, le Canada sont en train de devenir une force au tennis grâce à lui. Je connais pas grand-chose au tennis, moi. Fait que let's go les Canadiens, c'est tout. OK. Les Canadiens, on y va shot par shot. Martin Saint-Louis jusqu'à date, mon Seb. Je trouve qu'il apporte une énergie à l'équipe. Tu vois que les joueurs sont plus motivés avec lui. Il y avait une vidéo qui circulait qui parlait à Anderson. Tu vois qu'après ça, il ramasse Lainé, il lâche pas. Il y a un message qui a été passé par là, puis Anderson l'a compris. Il avait donné la mission à Anderson de ne pas lâcher Lainé. Ouais, c'est ça. Ben, il l'a écouté, puis tu vois que Caulfield, il se laisse plus aller. Déjà 2 buts en 3 games. Ou 4 games, ouais, ou 3. Il apporte de la fierté à ces gars-là, puis c'est exactement le gars qui s'apprenait à Caulfield, à mon avis. Ouais. Tu sais, il prend le temps avec chaque joueur d'aller parler. Ce gars-là, il a passé par-dessus l'adversité pour se rendre là, puis tout le monde le juge comme coach vu qu'il n'avait pas d'expérience, finalement. T'sais, c'est sûr que là, aucune victoire, sauf que c'est déjà beaucoup mieux. Il n'y a pas eu de dégelé à date. Là. Mm-hmm. Puis le match de. C'était qui donc? C'était-tu hier? Ouais. Le match de. C'est quoi son nom? C'est le défenseur qui ont rappelé de Laval hier. J'ai oublié c'est son quoi? Nom. Shunaman. Défenseur. Ouais, Shunaman. Saint-Louis était surpris de lui. Là. Il a joué une assez bonne game, d'après moi. Il a gagné ses points. À Luke Richardson d'y faire plus confiance. Ah ouais. Fait que déjà là, quand. Tu sais, ça fait une couple de fois qu'il se fait rappeler à Montréal. Fait qu'il va peut-être avoir sa chance. Tu sais, on a des défenseurs qui vont partir. Ouais. Il fait confiance à ses joueurs. J'ai l'impression qu'il aime ça leur dire, qu'il veut leur dire. Ouais. Tu veux leur faire comprendre. Tant mieux. Fait que Martin, moi, j'étais le genre de personne qui pensait pas que ça allait faire grand-chose. Mais on voit que déjà la dynamique dans le champ n'est pas pareil. Depuis qu'il est là, il n'y a pas... Ben, ouais. Depuis mais tu sais, Petrie fait encore des erreurs. Un petit, ça, c'est un problème à Kent Hughes. Puis, Kent Hughes, on ne va pas en parler, mais on va parler de lui indirectement. Oh, Claudia, OK, là, les noms s'affichent. Les noms s'affichent, yes. Shuneman. Shuneman. En tout cas, lui, son nom nous échappe. Comment prononcer son nom, ça nous échappe. Mais je pense que tout le monde sait de quel petit défenseur on parle. Que, toi, t'en as pensé quoi des 3 matchs que coaché? Des quoi? T'as pensé quoi de Saint-Louis des matchs que coaché?
Mais pour vrai, il apporte la fierté aux gars. Ils ont plus envie de jouer. Ils jouent pour quelque chose maintenant. Mm-hmm. Ouais. Comme qu'on l'a dit, c'est Caulfield, il y avait un but en 34 games, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Là, en 3 games, il y en a 2. Ouais. Ouais. Puis c'est je les regarde pas. Ben, je les regarde pas au complet, mais je regarde des petites parties de ces conférences de presse. J'ai de la misère à parler. Conférence de presse, c'est cool comment il répond. Il a pas peur, pas intimidé. Yo Seb, je sais pas t'es qui, man. Je vois juste Facebook user. Fuck. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est nous le problème ou si eux autres. Mais si vous êtes tous abonnés sur la bande, je devrais voir vos noms, mais je comprends pas pourquoi on voit pas vos noms. J'essaie de trouver une façon. Désolé pour l'inconvénient. Ouais, on l'a dit tantôt, mais je vais répéter pour peut-être des personnes qui l'ont pas. Ah, c'est William Labrecque, ok. C'est bon. Je viens de te voir. Mais tu sais, faut que j'aille sur le groupe, là. Pour des personnes qui n'étaient peut-être pas là tantôt, c'est vraiment fait à l'arrache. Pardon, c'est parce qu'on ne peut pas faire de podcast cette semaine. Fait qu'on a décidé ça aujourd'hui même qu'on le faisait. Puis c'est la première fois qu'on utilise StreamYard. Avant, on était sur Zoom, mais là, on utilise StreamYard maintenant qu'on va être en live. Je ne vous dis pas à chaque semaine, mais beaucoup plus souvent. Ouais. Ça va être en live normalement, mais s'il y a des petits inconvénients, il va y avoir des vidéos comme qu'on faisait déjà. Bon, le trade qui amène Andrew Hammond, le Hamburglar à Montréal. Ouais, contre Brandon Baddock. Sérieusement, ça va aider. On a déjà Allen de blessé, sûrement jusqu'à la fin de la saison. Price, on ne sait même pas s'il va revenir. Primo, sa place est à Laval pour l'instant, qui retrouve la confiance. Déjà que le Rocket, ils ont libéré un gardien, c'était Louis-Philippe Guindon, je pense, aujourd'hui, à cause que Primo y revenait. Fait que déjà là, fallait qu'il fasse un move pour un goaler, puis comme ça, il sacrifie pas l'avenir. Allemagne, il a 34 ans, ça coûte rien d'essayer. Il a connu l'adversité, puis il a eu une bonne séquence de victoires avec les Sénateurs en deux. Je m'en rappelle plus de l'année. C'est sûr qu'il pourrait aider, mais moi, l'affaire, c'est que, tu sais, on s'entend. Baddock, c'est pas une super vedette. Là. Sauf que si j'étais directeur général, je serais pas bon parce que je serais trop loyal. On dirait que j'aimerais pas ça laisser, genre dire à un joueur, bon ben désolé, man, c'est fini, même si c'est pas une superstar. Ben non, c'est sûr. Tu sais, je me dis au moins c'est pas Pezetta qu'on a gagné, qu'on a perdu. Parce puis il a pas donné de choix au repêchage, fait qu'il a pas sacrifié son avenir. C'était un contre un. Ouais, un contre un, Braddock qui avait scoré la journée d'avant. C'est pas grave. Ouais, au Rocket. Ouais, ben, il apportait seulement une bonne présence dans le vestiaire, mais tant qu'à ça, on va mettre un goaler, ça va aider. Ouais, Andrew Hammond, lui, je pense, tantôt, j'ai entendu que ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas joué dans la Ligue nationale. Ouais, ça faisait un bon bout. Là, il jouait pour le Wild d'Iowa, me semble. Ouais, l'équipe école du Wild de Minnesota. Yes, je te dirais là-dessus. Ben, il a joué. Ouais, son dernier match, c'était en 2017-2018 avec l'Avalanche du Colorado. Il avait laissé une défaite, une moyenne de 2 buts. Okay. Mais sinon, l'année qui c'était en 2014-2015, il y avait 20 victoires, une défaite, 2 défaites en prolongation. Ouais, son départ, c'est. Ouais. C'est d'après moi là qu'il a été bon, puis après ça, ça a fait ça de même, là, mais d'après moi, il peut juste nous aider, puis pour moi, il n'est pas obligé de gagner de match, juste laisse une pause à Montembeau une fois de temps en temps. Ben ouais, une pause à Montembeau, ça peut faire du bien, déjà qu'il était blessé à la main, ça peut juste aider. Ouais. Pour Josiane, qui nous l'a écrit tantôt, on répond maintenant au trade de Toffoli. Ça, je ne vais pas vous le. Je vais pas vous mentir, ça a fait mal. J'ai eu mal au cœur. Ça a fait mal, mais tu sais, le joueur coûte 4,25, je pense. 4,25 millions. C'est pas ton plus gros contrat. OK, il aurait pu aider aussi les deux prochaines années. Mais on est en reconstruction. On en reçoit un premier choix, un cinquième choix. Tyler Pitlick, puis si j'ai oublié son nom. Émile. Emil Einman. Emil Einman.
En plus que ce joueur-là, il a joué 40 games, 20 points dans la Ligue finlandaise. Puis c'est avec des adultes avec un temps moyen de 12 minutes sur la glace. C'est quand même déjà pas pire. Mettons, c'est comme si. J'allais dire Lekkonen joue 12 minutes, mais je pense qu'il joue un petit peu plus. Qui ça? Lekkonen. OK. moi, personnellement, ça a fait mal. Ouais. Mais tu sais, ça fait 5 podcasts maintenant que je le dis, c'est le temps de la reconstruction. Mm-hmm. C'est le temps. Fait qu'il faut juste l'accepter. On s'entend que c'est pas Tyler Pitlick qui va faire gagner 30 games aux Canadiens cette année. Mais s'il peut faire sa job, il va le faire. Puis c'est ce qu'il faut accepter. Par contre, j'espère que c'était pas le dernier move à Kent Hughes. Parce non, que Toffoli, c'était loin d'être celui qui était plus pressant à faire partir. Mm-hmm. Ici, j'entends parler d'un certain Jeff Petrie. Lui, il veut déménager, c'est sûr, du Canada. Il veut partir vers une autre équipe. On le voit déjà avec son jeu que c'est pas le même joueur qu'on a connu les autres années. On pensait qu'avec le départ de Weber, il allait prendre la place à Weber, mais finalement, il n'a pas pris grand place. La seule place qu'il a pris, c'est son trou. ouais, j'avais parlé de ça, je me souviens plus. Je pense que c'est avec mon père, justement. Mettons qu'il veut juste partir de Montréal, mais pas du Canada, OK? Ouais. J'allais chercher, c'est pas un contre un, là, mais entre autres dans l'échange, j'allais chercher Engvall à Toronto. Le numéro 47, je trouve qu'il est pas super. C'est pas Austin Matthews, sauf qu'il peut te faire. Il n'y a pas un joueur qui a été dans le bateau cette année. Effectivement. Non. Mais là, avec la fierté, ça a commencé d'après moi. Avec la fierté que Martin Saint-Louis leur apporte. C'est quoi qu'on disait donc? J'ai perdu. On parlait de Petrie échangé. Ah oui. Échangé. Petrie. Ouais, c'est ça. J'allais chercher Engvall parce que je trouve qu'il peut troisième trio. Peut trader ça en maudit. Dans la situation de Montréal, il pourrait être sur le first. Pas sur le first. Peut-être sur le deuxième. Sinon, il y avait un gars aux États, je sais. Mais je ne me souviens plus c'est lequel. Lindbergh? Je ne me souviens plus c'est lequel que j'avais dit. Non, peut-être, mais je pense que j'allais pas avec un. Mais il faudrait un défenseur pour commencer un peu à bâtir. T'sais, c'est sûr que pour Petrie, on peut avoir peut-être un choix comme qu'on a eu pour. C'est peut-être pour un échange comme Toffoli. Ouais, pour Petrie, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des choix dedans. Ouais, c'est sûr. Faut que tu reconstruises ta défense. Au moins un choix de deux. Au moins t'sais, un choix de deux. Tu peux peut-être avoir Jordan Harris qui va être là pour les prochaines années si tu réussis à signer. Brandon Gouli, Romanov. Mais justement, tu as parlé de Jordan Harris. Moi, j'ai confiance en Kent Hughes parce qu'il a été agent de joueur. Ouais. J'ai oublié le mot. Agent de joueur. Fait que j'ai fait confiance pour la porter. Il joue dans l'équipe de ses fils. Ouais, puis il a de l'air fort avec les liens familiaux, lui. Il a de l'air à toutes les apporter. Là, on a le frère. On a les deux frères qui appartiennent aux Canadiens puis leurs cousins. Ouais, les deux frères. Bon, ça, justement, tantôt, je réfléchissais à ça. On entend souvent des frères dans la Ligue nationale, sauf que moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler de cousins. Ouais, moi aussi. Peut-être. Ouais, je suis en train d'essayer de penser. C'est assez loin. Tu sais, il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas pensé parce qu'il n'y avait pas le même nom de famille. Là. Ouais. Mais là, cousin, pour vrai, c'est la première fois que j'entends ça. Mais me semble que j'ai déjà entendu, mais j'ai pas de nom qui me vient en tête assez vite de même. OK. Fait que là, on est parti sur. Ben, Montréal gagne-tu d'après toi? Hein? Montréal gagne-tu la transaction? L'avenir nous le dira. Ouais. C'est juste ça que je peux dire. Ouais. Parce que le choix de 1, on est. Ben, tu sais, on a pu. C'était qui donc? C'était qui notre. Caroline. Recruteur, là. Non, notre recruteur, c'était qui? Tremens? Timmons? Ouais, on n'a plus Timmons. Fait que le choix de 1, il va peut-être être bon. Le choix de 5, on ne s'attend pas à grand-chose, mais j'aime mieux m'attendre à rien puis que ça soit un très bon joueur parce que Gallagher a été cherché au 5e round, hein, c'est ça? Ouais. Gallagher s'est rendu pendant une couple d'années, c'était un de nos piliers. Là. Mm-hmm. Cette année, je pense que je le mets sur le côté. Mais c'est ça. C'est mieux s'attendre à plus bas, d'après moi. Comme ça, tu ne seras pas déçu. Si tu t'attends à trop haut, tu vas être déçu s'il n'est pas assez bon. Ouais. C'est ma philosophie envers ça. Puis
Puis l'autre, son nom, Émile Heinemann, comment on dit son nom. Ouais. Ben, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il va jouer? Ben, tu sais, lui, il a été drafté combien en deuxième ronde? Deuxième ronde, je pense 40e au total environ. Par les Panthers de la Floride. Après ça, il était dans l'échange contre Sam Bennett l'an passé. Puis, c'est ça. Ouais, tu faisais partie... Ouais, car Toffoli et Slow, on doit avoir des joueurs rapides. Mais c'est sûr que Toffoli a déjà 30 ans. Il a déjà pogné à trentaine. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que... Ouais. 29. Mais ouais, Toffoli est slow, sauf que est-ce que tu as oublié son année de l'année passée, autant de buts qu'il a fait? Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il est slow, puis là, il ne fonctionne plus comme l'année passée. Non, c'est sûr. Là, toi, tu m'as fait une belle menterie avec ton affaire d'échange de Chariot qui n'était pas vrai. Ouais. Mais je veux savoir, c'est pas un vrai trade, mais Chariot contre un espoir puis un choix de deux, vous en pensez quoi? Faut-tu plus? Est-ce que c'est trop donné? Est-ce que c'est... C'était un choix de première ronde 8e l'an passé. J'ai oublié. Brent Clark. Ah oui, c'était un choix de première. Armia est encore plus slow. Armia est encore plus slow, sauf qu'Armia il est fort pour garder la puck en 1 contre 1. Ouais, il est bon dans des batailles. Mais cette année, c'est parce que, tu sais, c'est chaque joueur leur rôle. Faut pas juste des Paul Byron dans notre équipe. Pas juste des Paul Byron. Mais, tu sais, Paul Byron, c'est carrément que Tyler Toffoli. Ouais. Puis Armia, d'après moi, protège pas mal mieux la rondelle que les deux combinés ensemble. Première ronde, puis un prospect pour Chariot. Fait que toi, je sais que je te l'ai dit, tu aurais été d'accord avec le trade, pas le trade que je t'ai dit hier, en pensant que c'était vrai à cause de Sébastien. Hey, j'étais sûr que c'était vrai, je voyais Montréal canadien. J'étais sur le nombre d'abonnés, je pense qu'il y avait 1000 abonnés. J'étais genre, c'est pas eux autres, puis il n'y a pas de crochet bleu. Je me fais pogner. Avec un choix de première puis un prospect pour Chariot, moi je suis d'accord. Ouais, moi aussi je suis d'accord. C'est ça qu'on devrait avoir parce que contre David Savard, ils ont donné un choix de première ronde. Chariot, il est un peu meilleur que Savard, on va se le dire. Un peu, c'est même très faible comme mot, je trouve. Ouais. Ouais. Un prospect et un premier ronde, c'est plate parce que c'est comme qu'on dit plus tantôt, je vois pas ton nom, mais on a deux personnes d'accord ici. Ouais. Trois, moi aussi. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ça. C'est ça que ça prend pour rebâtir l'équipe parce que présentement, on. Tu sais, si on peut avoir quatre choix de première ronde, ça serait un bon draft. Là. Si on pourrait se bâtir là-dessus. En espérant qu'on se plante pas comme les. Ou sinon, on peut essayer d'avoir un choix de 2023. 2023, c'est un assez bon draft avec Bédard et Michkov aussi. Ouais. Tu sais, tu peux pas gager que cette équipe-là, l'année prochaine, va déjà. Va être en tout cas. Ah, un autre Antoine Potry qui est d'accord lui aussi pour Chariot contre Prospect et première ronde. Yes. Ça me vient une question, ce que tu as dit 2023 et tout. Toi, tu es les Canadiens. On s'entend que sûrement l'année prochaine, on va finir dans les bas-fonds encore. C'est ça la reconstruction, il faut être patient. On n'a pas les bons partisans pour, mais il faut être patient. Est-ce que tu essaierais plus d'aller all-in pour Shane Wright cette année ou tu voudrais plus all-in pour Connor Bedard l'année prochaine? Ben, rendu à cette année, tu vas pour... sinon... T'essayes-tu les deux? Ouais, t'essayes les deux, mais sinon, il y a des gros joueurs aussi. Après Wright, il y a Mathieu Savoie, Brent Lambert, j'ai oublié des noms, ouais, c'est sûr. Après, tu l'as dit tantôt, après Bedard, il y a Michkov aussi, si on n'a pas... Ouais, c'est ça. Mais ça, Michkov, ça va être un bon joueur aussi, incluant Bédard. Là. C'est comme si ça serait, d'après moi, dans ma tête, c'est comme si c'est un repêchage Crosby Ovechkin. Je le compare peut-être un peu trop vite, mais c'est ça dans ma tête. Ouais, ben on voit les talents surréels de Connor Bédard. Michkov, il joue en Russie, fait qu'on peut pas vraiment le voir. Sauf qu'on l'a vu dans le championnat mondial junior, qui a été arrêté trop brusquement. J'espère qu'ils vont le reprendre. Mais Michkov, il me semble qu'il avait des bonnes statistiques, pareil. Ouais, ça, je m'en vais te voir. Comment t'es qui, Michkov? Matvei, M-A-T-V-E-I, espace Michkov.
Joachim Kemmel sera un bon choix pour le CH. Antoine Patry, quelle année? Cette année ou 2023? Michkov en KHL, en présentement, il y a 13 matchs de jouer. C'est avec des adultes. Right, il y a 5 points. C'est quand même très bon. Okay. Très bon. On a vu ça. On a vu un petit comparatif pendant un match du Canada. On a vu le comparatif de Shane Wright et Bedard. 2022, Joachim Kemmel. Ouais, si on pas le premier, parce que si on le premier, moi j'y vais avec Shane Wright. Si on le premier overall. Ben, tu sais, je sais qu'il y a eu un bout qu'il était plus sûr que ce soit Shane Wright le premier. Là. Ben, tu sais, des premiers, mettons, je suis dans un mock draft, là, c'est Shane Wright, Logan Cooley, Joachim Kemmel, Mathieu Savoie. Okay, il y a aussi Kemmel, un défenseur. Troisième. Ouais, il y a aussi un défenseur qui s'appelle Simon Nemec, 6 pieds 1, 192 livres. Ça pourrait être aussi un très bon choix. Ou sinon, je regarde, j'essaie de dire son nom, Juraj Slavkovski, il mesure 6 pieds 4, 225 livres à 18 ans. 6 pieds 4, 225 okay, livres. Les premiers choix, ça va être, ben, ça on va peut être jamais dire ça d'avance, là. Non, mais ça devrait être un bon repêchage. Il y a aussi Connor Geeky à 6 pieds 4, 205 livres. Après, c'est tout des 6 pieds 4. Hein. C'est les pas... defs? Ouais, ben, Connor Geeky, on va déjà voir nos deux tours jumelles. Ouais, ben, ouais. Mais il y a Lambert qui est rendu 10e. C'est vrai, Lambert qui est rendu 10e. Okay. Brad Lambert? Ah ouais, lui, ouais. Il a joué, il est finlandais, lui. Ouais, il joue dans la Ligue. Ouais, il jouait pour le Mondial Junior aussi. Il est rendu 10e. Oui, il est rendu 10e dans le mock draft que je regarde. Là, ils ont déjà donné le choix de Calgary à Montréal. Il était rendu 20e. À date, il est 20e. OK. À date, de ce que j'ai vu. Ça me fait perdre mon idée, mais c'est pas grave. Bon. Est-ce que, Seb, je veux t'entendre. Puis les gens des commentaires, je le répète aussi. Autre trade que les Canadiens faudrait qu'ils fassent. On va passer tout de suite tous les trades qu'on veut envoyer Jeff Petrie partout. Mm-hmm. T'envoyerais Jeff Petrie où? Moi, c'était à Dallas contre Klingberg, je le ferais tout de suite. Klingberg, ça peut être ton défenseur. Peut-être que je me mélange, il y a... Attends. D'après, je pense qu'il y a 25 ou 26, peut-être plus. Dans ma tête, il est peut-être plus... Ouais. Peut-être plus vieux, là. Bon, je traite dessus. Il y a de l'air de faire la job. Non, il y a 29, excuse, il y a 29. Okay, 29. Mais... C'est un choix de 5e ronde aussi. Ça veut dire, c'est ça. Fait que 29 ans, Petrie est rendu à 30, dans les trentaines, ça c'est sûr. Mais tu sais, ça pourrait être ton défenseur pour les 6 prochaines années. Ouais, puis tu sais, ça c'est pour aider les jeunes qui sont en ce moment. Puis tantôt, je disais, on va avoir nos deux taux jumelles. Je parle de Caden Gooley puis de Logan Mailloux. Parce que les deux sont... Ouais. sont très j'ai oublié Mailloux, les espoirs défenseurs. Moi, je m'attends à une nasty de bonne défensive là, dans quelques années. Ouais, dans quelques années, ça va être la défensive. Je m'attends pas à ce qu'on ait des fafans dans les commentaires en ce moment, mais c'est parce que les... Petrie part ou bien je le mets en haut, regardez la game. moi je le laisse même pas regarder la game. Va-t'en, Petrie, va-t'en. Moi je le laisse. Moi je le laisse parce qu'il faut le montrer au monde que quand même c'est un joueur NHL. Tu sais que. C'est ça. Ah oui, Jaden Struble, effectivement. Ouais, c'est un grand joueur aussi. C'est un choix de deuxième ronde, si je me trompe pas. Moi, Petrie, j'appelle une équipe, là. Donne-moi trois bâtons, une caisse de puck, puis une caisse de 24 aussi, puis t'as Petrie. C'est pas vrai, pas de caisse de 24, je n'ai pas 18 ans, on n'a pas le droit. Non, mais sérieusement, un choix de première aussi, là. Tu n'as pas le choix d'avoir un choix de première où un défenseur est établi tout de suite, un espoir. Ça va être un gros package, ce joueur qui peut faire d'énormes... Choix de première, je sais pas, il est à chier en ce moment. Est-ce que les autres équipes vont vouloir ça? Parce que, tu sais, nous autres, on sait que c'est à cause de sa famille qui déménage. Ben, tu sais, on sait. On présume que c'est ça parce que ça ne doit pas être facile à vivre, à être concentré au hockey. Oh, c'est sûr.
Tu sais, les dernières saisons, 42 points, 46 points, 40 points, 42 points, cette année, 7 points. C'est juste ça, j'ai dit. Il a fait son deuxième but en fin de semaine. Et c'est ça, il a fait son deuxième but de la saison. Il a rendu à 7 points cette saison en 41 games. On voit que c'est pas sa saison. Ça me fait très, j'ai vu sur Facebook après son but, « Hey, Petrie vient de monter sa valeur! » C'est bon. Moi, j'ai vu que Petrie a fait l'erreur contre... C'est contre qui? Columbus? Attends, c'est non, qui Chou avec... l'erreur contre toutes les autres équipes de la Ligue nationale qui ont affronté à date. Mais c'était écrit Chou avec Petrie à côté. Ouais, ouais, la... genre, la image de... Alors, la c'est, de c'est le temps de crier Chou! Puis là, il y avait Jeff Petrie. Ah, ouais, c'est ça. En fond. Il venait de pogner la pénalité, puis... Toi, est-ce que tu gardes Josh Anderson? Ouais. Ça pourrait être un leader. Moi, je suis en crise s'il part. C'est tout. Ouais, ben, moi aussi, j'ai son gilet de retenue. Mais sérieusement, ça, c'est un gros bonhomme. Il peut emmener de la positivité dans la chambre. Il a dit qu'il veut rester à Montréal, donc pourquoi pas le garder? Toffoli l'avait dit aussi, mais il comprend que Montréal, il faut qu'il fasse des moves à un moment donné. En plus, Toffoli, ça a l'air que sa femme a pleuré. Ben, elle aimait Montréal. Les moments qu'ils ont vécu à Montréal. Ça doit être le pire cadeau de Saint-Valentin qu'il a pu faire. Hey chérie, on s'en va, puis la semaine à pleurer. J'ai vu une image, là, attends. C'était en 2017, j'ai vu quand ta blonde te l'ex pour ton ex ou quoi de même, c'était quand Michel Therrien s'avait fait congédier pour Claude Julien. J'ai trouvé ça drôle, je voulais le dire. Oh là là. J'ai été m'acheter un 6 quand même. Ça, c'est bon. Oh là là. Shit, c'est bon. Imagine ouais, comment on dépasserait si on faisait ça pour chaque erreur que Petrie fait. Non, faut pas qu'il fasse d'erreur. S'il fait pas une erreur, faut peut-être acheter un 649. Ouais, mais c'est ça. J'ai mis ça dans le contrat. Imagine, faut peut-être en acheter un à chaque fois qu'il fait une erreur. Tabarnak, faut que tu dépenses en esti. Hein. C'est des erreurs. Hey. Sa punition contre Blue Jackets, il essaie de plaquer, il sort la jambe comme un cave. Puis en plus, Montembeau, est-ce que ça se voyait qu'il avait de la peine, il était plus capable, le gars, là. Pauvre lui. Il avait une de ses games de fou. À un moment donné, il va falloir que les gars, mais là, ils commencent à se rallier plus vers Montembeau. Primo, il faisait pas le job, ils l'ont redescendu à Laval. On va voir Andrew Hammond. Ouais, d'après moi, prochaine game, on va le voir. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Pas du tout. Mais tu sais, il a quand même 34 ans. Le gars, il a de l'expérience plus AHL que NHL. Mais c'est ça. Ben, la prochaine game est juste jeudi contre Saint-Louis. Puis je rappelle, on tourne ce podcast en live le lundi, puis on le poste le samedi. Yes. Seb, t'as un commentaire qui te vise si jamais. Hey, Gadou, Ovi va battre le record de buts de Gretzky. D'après moi, ouais, je l'ai dit, il va signer. S'il n'a pas le choix, il va signer un autre contrat pour battre son record. Fait que d'après moi, oui. D'après toi, Isaac, tu l'avais dit, il me semble que oui aussi. Oui, mais ça va être dur dans sa fin de contrat. Mais tu sais, mettons, faisant le plus possible. S'il en reste 30 à faire, il a refait une année, c'est sûr. Même à réduction, il y a juste ça dans la tête, c'est sûr. Ben, tu sais, c'est convenable aussi, mais. Amen. Amen juste en dessous, ok. Amen dans les buts. Amen dans les buts jeudi. Moi, je fais confiance. Moi, je le mettrais. Donne une pause à Montembeau qu'il a vu du rapport en Estonie. Check ce qu'il vaut. Puis, tu sais, Montembeau, il est sous ton banc. C'est plus Caden Primo. Mais hier, ça a été le deuxième jour de suite que Price recevait des shots. Fait qu'on s'entend-tu à l'avoir cette année ou je penserais pas? Je sais pas. Moi, c'est triste parce que ça a été, j'ai été goaler pendant 7 ans, ça a été mon idole. C'est encore une de mes idoles. Mais Price, je pense que s'il est en santé, si une autre équipe veut. D'après moi, ça va être au repêchage. Ça va être un échange de repêchage. Mais je penserais pas, moi, parce que tu veux lui souhaiter le meilleur. Ouais. Fait que tu y envoies dans une coupe. Où c'est qu'il pourrait gagner la coupe cette année? Ouais. Tu y as genre à une date limite des transactions, une équipe qui est sûre, puis qu'il manque juste un goaler pour gagner. Mm-hmm.
Parce qu'avec Price dans ton net, t'es pas supposé avoir peur. Non, c'est ça. Si t'as l'offensive pour gagner. Ouais. Fait que là, c'est la fin de ma liste. Mais si les personnes veulent qu'on continue, on va continuer. On va essayer d'improviser un petit peu. Je pense pas, son genou a beaucoup de la misère. Ouais. À Price, ouais, ouais. Ça se pourrait. À Price ou à Montembeau, moi je pense qu'elle parle de, que cette personne parle de Price, là, on voit pas son nom. Ouais. Ouais, je pense que. Je pense que. Ça dépend. C'est ça, ça dépend. Est-ce que son genou va être correct? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que l'autre équipe veut prendre cette chance? Toutes des questions, des questions, des questions. D'après moi, si une équipe prend la chance de l'avoir dans son équipe, ils vont faire passer des tests médicaux. Il n'aura pas le choix. Ça va être comme Eichel. Eichel, qu'est-ce qu'ils ont demandé avant pour l'échanger? C'est des tests médicaux. Eichel qui va jouer son premier match mardi. Effectivement, joue son premier match pour les Golden Knights. J'ai l'impression qu'ils vont être surpuissants. Price. OK, c'est Daniel. Je ne sais pas pourquoi on le voit pas, mais c'est mon oncle. OK. Allô, Daniel, ça va bien? Ouais, on ne sait pas pourquoi on ne voit pas vos noms. Là. On va essayer d'arranger ça pour les prochaines fois. Yes, mais ouais, on avait deviné que tu parlais de Price. Mercredi, ouais, exactement. Premier match d'Eichel, mercredi. Ok, c'est mercredi. Ouais, ça avait dit quoi? Je pense que c'est mardi. Moi, j'ai dit mardi. Ah, ben, excuse-moi, j'ai approuvé, mais moi, je savais que c'était mercredi. C'est bon. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il va être surpuissant, sauf que tantôt, tu me l'as dit, il va falloir qu'ils jouent avec la masse salariale, eux autres. Ouais, avec la masse salariale, parce qu'ils sont déjà pas mal serrés. Tu m'as allé checker ce Cap Friendly. Vegas. Vegas Golden Knights. Okay, on va checker leur masse salariale. Mettons, je pense qu'ils ont-tu mis déjà Eichel. Non. Eichel, il est encore sa liste des blessés. Il est à 10 millions en plus. Sur l'espace de 9,987 millions. Fait que... Ça va jouer en 1000. Ils vont descendre un joueur, ils n'auront pas le choix ou quoi de même. Tu sais, c'est ça. Ça va être le joueur le mieux payé de l'équipe. Il passe devant Stone et tout ça à 10 millions. Ouais, c'est le joueur le mieux payé. Ben, en même temps. En plus, ils ont Martinez, sa liste des blessés à long terme. Mais j'ai l'impression que ben, tu sais, ça reste un esti de bon joueur. Un pute. Pardon. sacré bon joueur. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il va être moins superstar maintenant qu'il est entouré de plusieurs. Je pense que ça va aider joueurs. La pression va moins être là. Surtout que c'était la seule grosse star à l'attaque des Sabres de Buffalo. D'après moi, ça va l'aider. Ouais, l'année passée, son partner, Jeff Skinner, qui fait quelque chose comme je sais plus, mais vraiment un bas peut-être nombre. Mais il est payé 9 millions, puis je pense qu'il avait fait 9 buts, fait que c'est un but par million. 9 comme buts, bon, 1 million par but. Ouais. Tabarnak, c'est ça qu'il a calculé l'autre fois. Il a fait 4 buts contre les Canadiens à leur dernière game. Okay. Mais ce que j'avais lu, j'avais écouté, c'est qu'Alex Tuck, c'est un très bon joueur aussi qui peut attirer les autres joueurs pour que Skinner puisse scorer des buts. Et ben, qui faisait partie de cet échange aussi, on le verra peut-être pas bien. Ici, Peyton Krebs, que j'ai en carte. Même si je connais. On va censurer les mots. Censurer quoi? Censurer les mots qu'il avait dit à Canada. Ah oui. Fuck you, little bitch! C'est pas ça, ça, on va se faire. Nicolas Mercier qui nous dit qu'il va aller faire des buts, moi, un million. Un million par but, tout le monde. Moi, pour vrai, là, je me ferais payer. Le plus bas salaire, c'est quoi? C'est 725 ou 750? Ça dépend. Ouais. Ben non, attends, je me ferais payer 100$ pour une game. Pour moi, c'est une game. Une game, il tirait juste le banc? Je veux vivre le vestiaire. Ben, tu sais. À un moment donné, ben, si c'est des Canadiens, il va bien se dire que Calis, lui, doit être bon, fait qu'on va l'envoyer. Là. Mais je veux vivre le vestiaire, je veux vivre le banc, je veux vivre la game. Puis je vais aller dans une équipe comme les Canadiens, comme ça, je vais être sûr d'avoir au moins une présence à la. C'est quoi son nom? Maxime Lapierre. Un gros total de 2 minutes 45. Ouais, je sais pas c'était quoi son average.
En tout cas, la pierre est patinante ici. Ouais. Fait que là, je répète que c'était un petit podcast, un petit live qu'on a fait pour le plaisir. Dans ma liste, je n'ai plus de sujet. Si les gens nous posent des questions pour savoir notre avis, dans les, mettons, trois prochaines minutes, sinon on va se dire bonne soirée là-dessus. Pour pas que ce soit vraiment plate, on va essayer de continuer de parler pendant les trois prochaines minutes. Yes, pas de attends, on se pose, pour le fun, on se pose des questions, genre tel joueur ou tel joueur, OK? OK, c'est bon. Tu commences? Ou je commence? Stafford ou Burrow? Yeah, Stafford. Mais pour les prochaines années, Burrow. Ouais. La pierre, c'était 11 minutes son average. Ah ouais? 11 minutes, me semble, c'est beaucoup comparé à ce qu'il disait à la poche bleue, mais peut-être qu'il niaisait. Oh, c'est vrai, on a oublié d'en parler, ça. Ah, Canada, USA, les femmes. Premièrement, c'est une grande surprise, les deux équipes qui sont en finale? Pas en tout. mais tu sais, je pense qu'ils ont gagné 5-2 ou 5-0 leur dernier match, les Américaines. Fait que c'était quand même pas si pire, mais les Canadiens vont encore gagner, d'après moi. Je vois peut-être, c'est un match que je vais peut-être écouter, je me rappelle plus c'est quand. Ouais, mais je vais sûrement l'écouter. Moi c'est je peux pas l'écouter parce que j'ai l'école surtout là. Mm-hmm. Là-bas c'est pendant la nuit ou le matin quand je m'en vais dans l'autobus. D'après moi, le Canada va gagner. Ah ouais. C'est trop fort. Mercredi 11h, moi c'est ça. 11h30, je vais être couché. Mercredi 11h. Ah. Ouais, moi je suis une traînée à 10h mercredi, je vais peut-être l'écouter. Je te fais un compte-rendu. Quel est le joueur qui doit partir à part Petrie? Ça, j'aime ça à part Petrie parce que Petrie aurait été le premier dit. Quel joueur qui doit partir? Moi, je pense qu'on peut avoir quelque chose pour peut-être Lekkonen. Il doit c'est pas à dire, le monde il disait peut-être le futur capitaine, mais peut-être Gallagher, c'est dans mes choix. Victoire Canada, ouais, leur dernier match contre les États, 4-2. Ouais, Gallagher, ben, c'est parce que d'après moi, attends, c'est-tu lui qui a dit que ça ne dérangerait pas de faire partie d'une reconstruction? Je pense que oui. Je pense que c'est Price, mais je ne suis pas sûr. Hein. Je ne suis pas sûr. Mais. Toi, tu dirais. Ouais, t'as dit un lourd salaire pour ce qu'il donne en ce moment. Ouais, c'est sûr. Mais une grosse équipe qui se bat pour les séries, en série, ça va être un gros joueur pour eux autres. C'est sûr. Il n'y a pas de salaire en série. C'est sûr. On shoot out au Tampa Bay Lightning. Il resterait la moitié d'une année. Ouais. D'après moi, c'est à jouer avec ton cap salarial. Ouais. Pour qu'après ça, ça soit un bon joueur. Nicolas Mercier qui nous dit Lekkonen aussi. En accord exact. Je sais pas si Lekkonen doit partir absolument. T'sais, c'est pas autant un problème que Petrie, d'après moi. Mais d'après moi, c'est pas un joueur qui est espéré à garder non plus. C'est pas quelqu'un qui va te faire chier. Comme Tyler Toffoli m'a fait chier. Ouais, Lekkonen, effectivement, moi je pense qu'on peut avoir quelque chose de bon pour lui. Yes, on peut avoir un bon retour. Tu sais, je m'attends pas à un choix première ronde pour Lekkonen, mais un deuxième choix, un espoir qui peut peut-être passer par la Ligue nationale. C'est pas mal juste ça. Tu sais, on peut avoir une bonne monnaie d'échange. Moi j'avais dit tantôt, là la question c'était qui doit partir. Anderson ne doit pas partir. Notre jeune noyau aussi, je pense à Suzuki, Romanov, Caulfield. Mm-hmm. S'il vous plaît, ne laissez pas partir ça. Non. Il devrait pas toucher à ça. Armia, je pense qu'on peut avoir quelque chose contre. Ouais. C'est ce genre de joueur-là que je pense facilement échangeable. Ouais, t'sais, tandis que t'as des joueurs comme Pezzetta, Pitlick qui veut. Ben, Ram Pitlick, Tyler Pitlick. Ça reste des joueurs, je pense, qui vont être faciles à un moment donné à échanger. Là. Tout dépendamment de c'est quoi qu'on reçoit. Là. Mais c'est parce que le trade, sa valeur est descendu comparé à Chariot, Leaky. Est-ce que Petrie, je crois. Peut-être Pelletier. On enverrait Petrie avec Toffoli pour aller chercher Pelletier. Justement, oui, sérieusement, quand j'ai vu Calgary, là, j'ai vu, j'étais sûr à 100% que c'était Pelletier, mais ils ne toucheront pas à Pelletier. C'est
c'est un de leurs meilleurs espoirs. Je pense pas qu'ils vont l'échanger. Ici, on a Nicolas Mercier qui nous dit que Lekkonen doit partir avant de perdre la valeur, effectivement, pour qu'on ait quelque chose en retour. Mm. Mais c'est sûr, c'est quoi qu'on dit? Ah oui. Tu sais, il y a des joueurs plus faciles que d'autres à échanger. Puis pour sûrement Kent Hughes et les partisans. Parce qu'on s'entend, les partisans t'annoncent demain matin que Caulfield est échangé. Hoffman va être dur à échanger, mais d'après moi, il doit partir. Va être dur à échanger ouais. Pour son contrat ou pour ce qu'il donne? Il a signé, je pense, c'est 4 ans, 4,75, si je ne me trompe pas. Okay, fait, je pense il reste 3 ans. Il n'est pas si pire, mais il ne donne pas grand-chose. Non, c'est ça. Ben, c'est un gars qui est plus powerplay. Tu peux lui donner du temps de jeu en powerplay en masse. Il passe souvent à la rondelle. Puis... Il est lent, mais je le garde. Mais tu gardes qui, Nicolas Mercier? Tu gardes Hoffman? Parce que moi, Hoffman pourrait me zéro impressionner à date. Hey Seb, ça dépend si j'ai des cas cette journée-là, mais quand on voit le trade de Toffoli, on peut se donner une idée du trade à Petrie. Tu penses qu'ils veulent la même affaire? D'après moi, ça va être la même affaire. Environ. Ah ouais? Tu sais, faut pas liquider pour échanger contre n'importe quoi, mais... Faut pas le donner. Comme Antoine Carrier a dit dans notre quatrième podcast. L'idée que je viens d'avoir, Seb, c'est si j'ai pas d'école, si tu es disponible, on se fait un gros, gros live la journée des transactions. Ouais, ben ça, j'ai checké la date. Ça donne un lundi. Toi, d'habitude, t'as de l'école le lundi, mais... J'aimais ça. Attends, je vais aller voir pour la date. Là. Hoffman, pas impressionnant, mais on s'enligne vers une reconstruction, ouais, c'est sûr. Ouais, mais tu veux Hoffman dans ta reconstruction? Parce que moi Hoffman, c'est un joueur que j'ai oublié qu'il ne sera pas facile à échanger, sauf que ça ne me ferait rien qu'on le perde. Un petit peu moins, tu parles de Petrie qui voit un petit peu moins que Toffoli, sûrement? Exact, c'est le 21 mars, la date limite des transactions. 21 mars? Oh, c'est pas de ma fête. Un petit cadeau de fête, Claude. Surtout moi sur Twitter, je suis actif en tabac. Mais pas actif, là, mais je vois. Ouais. Il parlait de. Pour vrai, c'est bien. On reçoit les commentaires, c'est le fun. Sauf que j'ai hâte qu'on voit tous vos noms avec vos. Avec, je comprends pas, on a vu trois personnes d'attitude. Pour l'instant, on a Nicolas Mercier qu'on voit. On a Claude Léveillé qu'on voit. Puis on a monsieur. C'était qui l'autre? Je m'en rappelle. Anthony Patry. Je vais aller voir pour le contrat. C'est ça, 3 ans, c'est ce que je pense. Ben, tu sais, 3 ans et demi avec le reste de la saison. Là. Je pense que c'est un 4 ans qui est fait. Attends. Je suis sûr, là, je te regarde ça. Non, c'est un contrat de 3 ans à 4,5, 3 ans. Fait qu'il, okay, fait que là, il reste juste 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi à son contrat. C'est, après moi, ça va être assez. Faut aller sur le lien du streamer pour que les noms s'affichent. Ok, fait qu'on va essayer de dire. Le lien sur le Facebook? Je pense que c'est ça. J'écoulerai sur 3 ans. 3 ans pour l'échanger après? Ou tu voudrais le perdre contre rien? Parce que moi, personnellement, mais ça reste que la valeur de Chariot peut être semblable ou même plus haute que... Chariot, il vaut plus que Petrie, d'après moi. Marston place sur sa liste, placé sur la liste des blessés à long terme par Vegas pour faire de la place à Eichel. Ouais, ça, j'avais vu aussi. Tu sais, t'as Marston, t'as Alec Martinez, déjà. Ça, je pense, ça fait quasiment 15 millions. Ils font toute la technique à l'autre là, de l'année passée. Brisebois, t'aimes pas. Ouais, c'est lui? Ouais, c'est Brisebois. C'est tellement intelligent d'un côté, mais c'est tellement... Il serait difficile à changer. On parle encore de Hoffman. Tu sais, ouais, c'est un 204.5 avec les points qu'il peut... Mais tu sais, il peut t'apporter quelque chose dans ton équipe si t'as pas de power play. Il peut t'aider là-dessus. Moi, je vais dire ça. J'appelle les équipes pour essayer de l'échanger durant tout son 3 ans. Mec, ça me dérange pas de le garder les 3 ans. Mais pour vrai,
à la première offre, si ça a de l'allure, je l'envoie. Ouais. Ben, c'est... ben, en fait, ça fait la... Ça me reprend un petit peu de sa confiance, oui. Mm-hmm. Caulfield, parce que c'est pas juste à cause de Martin Saint-Louis, mais qui peut parler à Cole Caulfield? Qui est un petit qui a été un petit attaquant pareil comme lui, qui a dû être fort? C'est Martin mm-hmm. Saint-Louis. Caulfield a dit qu'il a déjà il a grandi en Portal 36 grâce à lui, ça a été un de son idole puis tout. Bon, Seb, 9h fait 56 minutes qu'on est en live. Je pense que ça a été un bon petit live. Yes, ça a été un bon petit live. On, va, on est très content que vous ayez participé avec vos commentaires. Effectivement, ça fait de la jasette. Ah, attends, on va commencer un petit peu. On va continuer un petit peu là, pour les derniers commentaires. The Brock et Drouin peut être peut-être trade aussi. Ouais. Ouais, Martin Saint-Louis va surtout apporter le goût de jouer pour les Canadiens, je pense. Il prend le temps avec chaque joueur. J'ai vu une photo, il parlait à Drouin. Drouin était assis sur le banc, il est blessé. Il prend le temps d'aller parler à ses joueurs. Je pense que la communication, ça va être la clé dans cette équipe-là. Pour ne pas passer par-dessus le commentaire d'avant, Dvorak et Drouin. Dvorak, on s'attendait à un très bon joueur. Là, je vais t'avouer que les deux choix qu'on a donnés, ça me fait chier. Mm-hmm. Parce que Dvorak n'a pas donné grand-chose. Drouin, ça me... Ben là, tu sais, on était contents. Un autre... Toi, très Drouin, pas vrai. Drouin, pas Dvorak. Bonne soirée, les gars. On se voit bientôt. Ça doit être Dan. C'est sûr, c'est Dan. OK. Bonne soirée, mon Dan. Yes. Toi, t'échanges Drouin, mais pas Dvorak. Moi, Dvorak, je vais de la misère avec lui parce qu'on s'attendait si à... Si je pourrais revenir sur l'échange, je ne le ferais même pas. J'étais content sur le coup. Je t'en avais parlé aussi. On s'en avait parlé à Job. J'étais content de l'avoir, mais à toi. Je pense que c'était toi, non, je l'avais dit. De qui? De Dvorak. Ouais, Dvorak. La trade qu'il y avait, j'étais très content. On donnait un premier choix qui était de Caroline ou Montréal. Protéger top 10, qui veut dire que c'est un des deux. Mais là, ça va être le choix de Caroline. Tu n'auras pas le choix de Montréal. Une chance qu'ils ont fait ça pour se protéger. T'imagines-tu qu'il aurait donné le premier choix de Montréal? Imaginement qu'on serait dans la marde. Il y a eu deux premiers choix au repêchage, Asti. Non, ouais. C'est faut pas. Faut pas. Ça a été un bon côté de Bergevin. Ouais. Drouin, on a été. Tu sais, c'est un Québécois de plus quand on l'a reçu, ouais. Sauf que là, tu regardes Sergachev. Ça fait chier. Ça fait chier. Bon, là, je pense que c'est un bon petit live. Merci tout le monde d'avoir participé. On se dit à la prochaine. Bye bye. Puis on va finir ça avec Bouge Radio, comme on a commencé. Ça me tente.